252e régiment conservateur de Korava avait clairement fait valoir son droit à diriger le système. Le talent du général Vance Stubbs pour organiser et réformer cette unité longtemps négligée fut rapidement remarqué par le commandement de Segmentum. Sa carrière n'allait certainement pas s'arrêter au rôle de gouverneur général de ce petit système stellaire. Pour le moment, cependant, Stubbs et son fier régiment s'attelaient à la tâche de la reconstruction d'après-guerre. Heureusement, la tempête Warp finit enfin par se terminer. Korava 4 pouvait être recolonisé. Seul, Korava 3 ne connut pas l'élan de construction, extraction et terraformation. Cette planète demeura largement désolée. Personne ne savait ce qui pouvait encore sommeiller sous ses sables. Alors, Korava devint un carrefour important de l'Empire, et ses académies réputées produisirent d'excellents fantassins que seuls surpassaient ceux de Castres. Korava devint le siège d'une population humaine fière, guerrière et dévouée à l'Empereur. En ce temps-là, il était difficile d'imaginer qu'une guerre sanglante s'était produite et que le système avait connu l'hérésie et le chaos.